Goedemorgen, bonjour. Net zoals in vele andere Europese landen verandert de situatie aangaande COVID-19 in ons land zeer snel. Het aantal bevestigde gevallen, maar ook de hospitalisaties stijgen. We kunnen deze situatie niet negeren. Het is wel belangrijk om de juiste informatie te geven en te duiden. Vandaar dat we vandaag een nieuwe stand van zaken geven. En daarvoor geef ik het graag het woord aan Boudewijn Catry. Goedemorgen, allen. Bonjour à toutes et à tous. De afgelopen week werden er gemiddeld 1.196 nieuwe gevallen per dag vastgesteld in België. Dat is een toename met 62% ten opzichte van de week ervoor. En is in lijn met de toenames die we de voorbije dagen gezien hebben. Verleden week maandag was de dag met het hoogste dagcijfer van deze heropflakkering tot dusver, namelijk 1.717 nieuwe vastgestelde gevallen op één dag. De weekgemiddelden die we nu bereiken zijn ondertussen al dubbel zo hoog als in de tweede week van augustus. De leeftijdsverdeling van deze nieuwe gevallen lijkt stilaan te verschuiven naar een overwicht voor de groep van 10 tot 20-jarigen. Het aantal besmettingen bij tieners en twintigers is momenteel gelijkaardig, maar de tieners tekenen de laatste paar dagen in absolute aantallen het hoogste aantal nieuwe gevallen op. Daarnaast blijven ook de 60-plussers relatief grotere stijgingen optekenen dan het nationaal gemiddelde, waardoor we op termijn ook meer ernstige gevallen kunnen verwachten. Wat de regionale verschillen betreft, zien we dat de toenames zich nog steeds over het gehele land blijven afspelen. Over het hele land bekeken zien we toenames van 18% in Limburg tot 103% in Namen. Het hoogste aantal nieuwe gevallen blijven we echter zien in het Brussels hoofdstedelijk gewest. In Brussel zijn er afgelopen week 241 nieuwe gevallen vastgesteld, wat een toename is met 44% ten opzichte van de week ervoor. De huidige weekgemiddelden in Brussel liggen nu dubbel zo hoog als tijdens de opstoot in augustus. In Antwerpen zijn er de afgelopen week 221 nieuwe gevallen vastgesteld, wat een toename is met 60% ten opzichte van de week ervoor. De weekgemiddelden in Antwerpen komen daarmee even hoog te liggen als op het hoogtepunt in augustus. Naast Brussel en Antwerpen zien we ook een sterke toename in de provincie Luik. Hier werden de afgelopen week 164 nieuwe gevallen vastgesteld, wat een toename is met 86% ten opzichte van de week ervoor. De weekgemiddelden hier liggen ondertussen al bijna 3 keer zo hoog als tijdens de beginfase van de heropflakkering. De afgelopen week werden er gemiddeld bijna 35.000 testen per dag uitgevoerd, met uitschieters tot 45.000 testen per dag afgelopen woensdag. De nationale positiviteitsratio is verder toegenomen tot 3,7% en varieert van 1,7% in Limburg tot 7,6% in Brussel. In lijn met de stijgende besmettingscijfers zien we nog steeds belangrijke toenames in het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. De afgelopen week waren er gemiddeld 45 ziekenhuisopnames per dag, wat een toename is met 48% ten opzichte van de week ervoor, toen er nog gemiddeld 30 nieuwe opnames per dag waren. Op zaterdag waren er zelfs 51 nieuwe opnames van patiënten met COVID geregistreerd,
terwijl het al van 21 mei geleden was dat er nog meer dan 50 nieuwe opnames op één dag waren. Net als de stijging van de besmettingscijfers lijkt de toename in nieuwe ziekenhuisopnames zich af te spelen in quasi alle regio's, met Brussel duidelijk op kop, gevolgd door Antwerpen, Henegouwen en Luik. De sterftecijfers, tot slot, blijven fluctueren rond 2 à 3 overlijdens gemiddeld per dag. De toename in nieuwe ziekenhuisopnames lijkt zich voorlopig dus nog niet te vertalen in een toename van de overlijdens. De stijging van besmettings- en ziekenhuiscijfers hoeft echter niet te leiden tot paniek. We weten ondertussen dat we door ons strikt aan de basisregels te houden, het virus ook onder controle kunnen houden. Dit hebben we kunnen aantonen begin augustus, waar onze gezamenlijke inspanningen gezorgd hebben voor een afbuiging van de curve. Laten we de huidige situatie dan ook aangrijpen om nog eens extra aandacht te besteden aan de 6 gouden regels om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ten eerste, beperk je nauwe contacten. Ten tweede, respecteer de hygiëneregels. Ten derde, hou afstand of gebruik een mond-neusmasker waar dat niet mogelijk is. Ten vierde, doe je activiteiten buiten of in goed geventileerde ruimtes. Ten vijfde, volg de regels over bijeenkomsten. En ten zesde, wees extra aandachtig bij contacten met oudere en kwetsbare mensen. Ik dank u hartelijk. Je vais maintenant continuer en français. Les chiffres. La semaine passée, nous avons comptabilisé en moyenne 1196 nouveaux cas par jour en Belgique. Ceci équivaut à une augmentation de 62% en comparaison avec la semaine précédente et suite à l'augmentation observée ces derniers jours. Lundi passé était le jour comptant le plus grand nombre de nouvelles infections depuis la recrudescence du nombre de cas. Pas moins de 1717 nouveaux cas ont été comptabilisés en un jour. Les moyennes journalières atteintes actuellement sont deux fois plus élevées que lors de la deuxième semaine d'août. Le nombre de nouvelles infections par catégorie d'âge de cas nouveaux semble se déplacer doucement vers le groupe des 10 à 19 ans. Le nombre d'infections dans le groupe des 10 à 19 ans et dans celui des 20 à 29 ans sont actuellement similaires, mais le plus grand nombre de cas en chiffre absolu se trouve désormais parmi les 10 à 19 ans. Le groupe des 60 plus connaît également une augmentation plus importante du nombre d'infections. Nous devons donc nous attendre à des cas plus graves de la maladie. En ce qui concerne les différences régionales, nous constatons que les augmentations se poursuivent toujours dans tout le pays. On constate des augmentations de 18% au Limbourg à 103% à Namur. Cependant, nous continuons à observer le plus grand nombre de cas en région de Bruxelles-Capitale. À Bruxelles, 241 nouveaux cas ont été identifiés la semaine dernière, soit une augmentation de 44% par rapport à la semaine précédente. Les moyennes hebdomadaires actuelles à Bruxelles sont désormais deux fois plus élevées
que lors de la première recrudescence du nombre de cas en août. À Anvers, 221 nouveaux cas ont été diagnostiqués la semaine dernière, soit une augmentation de 60% par rapport à la semaine précédente. Les moyennes hebdomadaires à Anvers sont les mêmes que lors de la première recrudescence. À Bruxelles et à Anvers, nous constatons également une forte augmentation dans la province de Liège, où 164 nouveaux cas ont été identifiés la semaine dernière, soit une augmentation de 86% par rapport à la semaine précédente. Les moyennes hebdomadaires y sont maintenant presque trois fois plus élevées que lors de la phase initiale de la recrudescence du nombre de cas en août. Au cours de la semaine dernière, près de 35 000 tests ont été effectués en moyenne par jour et jusqu'à 45 000 tests le mercredi. Le taux de positivité national a encore augmenté pour atteindre une valeur de 3,7% et il varie de 1,7% au Limbourg et à 7,6% à Bruxelles. Parallèlement à la hausse du nombre d'infections, nous constatons toujours une augmentation significative du nombre de nouvelles admissions à l'hôpital. La semaine dernière, il y a eu, en moyenne, 45 admissions à l'hôpital par jour, soit une augmentation de 48% par rapport à la semaine précédente, où il y avait, en moyenne, 30 nouvelles admissions par jour. Samedi, 51 nouvelles admissions de patients atteints de COVID ont été enregistrées. C'est la première fois depuis le 21 mai que plus de 50 nouvelles admissions ont été signalées en une journée. Tout comme l'augmentation des taux d'infection, l'augmentation des nouvelles admissions à l'hôpital semble avoir lieu dans presque toutes les régions, Bruxelles étant clairement en tête, suivie d'Anvers, du Hainaut et de Liège. Enfin, le taux de mortalité continue à fluctuer de 2 à 3 décès par jour en moyenne. L'augmentation des nouvelles hospitalisations ne semble donc pas se traduire pour l'instant en une augmentation des décès. Cependant, l'augmentation des infections et du nombre d'hospitalisations ne doit pas conduire à la panique. Nous savons maintenant qu'en adhérant strictement aux règles de base, nous pouvons garder le virus sous contrôle. Nous avons pu le démontrer début août, lorsque nos efforts conjoints ont conduit à une diminution de la courbe. Accordons donc une attention particulière aux 6 règles d'or pour empêcher la propagation du virus, c'est-à-dire 1. Limiter vos contacts proches. 2. Respectez les règles d'hygiène de base. 3. Gardez vos distances ou, lorsque ce n'est pas possible, utilisez un masque. 4. Faites vos activités à l'extérieur ou dans des endroits aérés. 5. Suivez les règles relatives au rassemblement. Et finalement, 6. Soyez attentif lors de vos contacts avec des personnes âgées et des personnes vulnérables. Je vous remercie. Goedemorgen.
Boudewijn Catrie heeft net een stand van zaken gegeven van de pandemie in ons land. Actuele informatie en duiding zijn cruciale elementen om op een gepast manier te reageren op een risico. En dit moeten we voor alle duidelijkheid samen doen. De overheid volgt de situatie op de voet op en zal deze week een nieuwe stand van zaken opmaken tijdens de Nationale Veiligheidsraad. Maar de beslissingen van de overheden zullen enkel efficiënt zijn als we deze ook op een solidaire manier opvolgen. Ieder individu is verantwoordelijk voor zijn, haar veiligheid en deze van de anderen. Het doorbreken van de ketting van besmettingen zal enkel lukken als iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Respecteer dan ook de nog steeds geldende maatregelen. Ook kinderen hebben vragen over deze situatie. Al maanden worden zij rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd met het virus. Het is belangrijk om kinderen te informeren over de risico's in onze samenleving op een voor hun aangepaste manier, aangepast aan hun leeftijd. Vorig jaar werkte het Nationaal Crisiscentrum het lessenpakket Be Ready uit. Be Ready bestaat uit een driedelig lessenpakket waarmee leerkrachten van het basisonderwijs aan de slag kunnen gaan om kinderen op een spelender wijze voor te bereiden op een noodsituatie. Denk bijvoorbeeld aan overstromingen, een brand in een chemisch bedrijf, elektriciteitsonderbrekingen enzovoort. Rekening houdend met actualiteit is er een extra les toegevoegd aan dit lessenpakket over COVID-19. Deze bijkomende les kan als een leidraad dienen voor leerkrachten die nu, of binnen enkele weken, les willen geven over het virus en de gezonde reflexen, zoals een goede handhygiëne, afstand bewaren enzovoort. Veel scholen hebben het coronavirus zonder twijfel al besproken met hun leerlingen. Dit lessenpakket kan hierop aansluiten en kadert in een bredere risico-educatie. Het lessenpakket kan gratis worden gedownload op risico-info.be/school. Op deze manier maken we onze kinderen weerbaar. Iedereen kan immers zijn verantwoordelijkheid opnemen en maakt deel uit van de oplossing. Dank u wel. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme dans beaucoup d'autres pays au niveau européen, la situation évolue rapidement dans notre pays. Le nombre de cas augmente, le nombre d'hospitalisations aussi. Nous ne pouvons pas nier la situation. Il est donc très important qu'on puisse vous informer pour cadrer au mieux la situation et l'expliquer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé de tenir ce point de presse supplémentaire. Les informations actualisées et correctement interprétées sont en effet essentielles pour qu'on puisse tous réagir de manière adaptée face aux risques actuels dans notre société. Et nous devons faire cela ensemble. Les autorités suivent la situation de près depuis des mois. Et cette semaine, un nouvel état des lieux sera fait lors du Conseil national de sécurité. Mais les décisions des autorités, quelles qu'elles soient, ne pourront être efficaces que si nous agissons ensemble de manière solidaire. Chaque individu est acteur de sa sécurité, de sa santé, mais également de celle des autres. Casser cette chaîne de contamination ne fonctionnera que si tout le monde prend ses responsabilités dans cette chaîne. Respectons donc encore et toujours les mesures d'application. Nos enfants ont aussi certainement beaucoup de questions sur la situation. Depuis des mois, ils sont confrontés directement ou indirectement au virus. Il est donc important d'en discuter avec eux, de les informer, de répondre à leurs questions, à leurs inquiétudes, pour expliquer ce qu'est ce risque de notre société et de le faire de manière adaptée à chaque tranche d'âge. L'année dernière, le Centre de crise nationale, avec ses partenaires, a lancé un dossier pédagogique qui s'appelle Be Ready. Be Ready est constitué d'un certain nombre de leçons évolutives et différentes pour les différents degrés du primaire. Des leçons grâce auxquelles les enseignants, de l'enseignement primaire donc, peuvent aborder avec les enfants, et ce de manière ludique, les risques, mais également les situations d'urgence afin de s'y préparer au mieux. Et on pense bien sûr à des inondations, par exemple, à des incendies chez soi ou dans une usine, ou encore à des coupures de courant. Vu l'actualité, nous avons rajouté une nouvelle leçon complémentaire spécifique sur le Covid-19. Cette leçon est un guide
qui peut aider les enseignants, que ce soit aujourd'hui ou dans les prochaines semaines, pour aborder ce virus avec leurs élèves et expliquer les bons réflexes de santé. Comment garder cette distance, se laver les mains, etc. Il est évident que beaucoup d'écoles, beaucoup de directions, beaucoup d'enseignants ont déjà abordé la situation avec leurs élèves. Cette leçon est notre pierre à l'édifice, une leçon complémentaire qui cadre dans une démarche beaucoup plus large d'éducation au risque pour que nous puissions apprendre dès notre enfance les bons réflexes, qu'on puisse apprendre comment bien réagir quelle que soit la situation d'urgence et sur base d'une démarche très simple, c'est s'informer, se préparer ensemble. Le dossier pédagogique et la leçon spécifique pour le coronavirus sont gratuitement téléchargeables sur le site web info-risque.be. info-risque.be. Et les enfants pourront aussi découvrir sur ce site web un jeu éducatif pour apprendre en s'amusant. De cette manière, nous allons aussi rendre nos enfants plus résilients. Car tout le monde a une responsabilité à prendre et chacun est une partie de la solution. Merci. Nous allons passer aux questions que nous avons reçues. Quelles sont vos attentes concernant le début de l'année universitaire? Cela va-t-il aggraver l'épidémie? Dans une telle situation où il n'y a plus de contact, il est logique qu'il y a un plus haut risque de propagation du virus. Mais nous faisons confiance aux étudiants qui comprennent certainement l'importance des mesures et qu'ils respecteront les pour leurs proches. Wat zijn uw verwachtingen in verband met de start van het academiejaar? Zal dit de epidemie laten toenemen? De start van het academiejaar gaat gepaard met meerdere en nieuwe contacten, wat een risico inhoudt tot meer verspreiding van het virus. Maar wij hebben er het volste vertrouwen in dat de studenten verstandig zullen omgaan met de regels, in het bijzonder om ze te respecteren voor hun naasten. Merci. Merci de continuer à vous informer. Merci de continuer à respecter ces mesures de prévention les uns envers les autres. Et nous vous donnons rendez-vous mercredi matin à 11h pour un nouveau point de presse. Bonne journée à tous.